Valhalla. Valhalla. Je ne sais pas comment on peut prononcer en français. Valhalla. Oh. Bonjour. Bonjour à tous. Dans ce sujet, on va parler de la croupe de pointe rousse. Il s'agit des ambulances ou itinérances, ou c'est-à-dire en russe, передвижники. C'est le terme donné au mouvement réaliste par un Russien en 1863 et qui exista jusqu'aux années en 1923 en réaction contre l'enseignement, les sujets, les méthodes de l'Académie de Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. C'est l'académie très ancienne. Et c'est le premier groupement de pointe réaliste russe de la seconde moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et quelques phrases, comme la préface. En Russie, nous avons la longue histoire de servage. Les origines du servage remontent à la Russe de Kiev au XIe siècle. Le servage s'est cependant généralisé en Russie en XVIe siècle. Il a été consacré à loi en 1649 et a été aboli en 1461. Dans une grande réforme agraire stimulée par la crainte exprimée par tsar Alexandre II, cette abolition était un grand événement, un grand fait historique. Et cet événement a engendré une réaction significative dans l'art, dans l'histoire, dans la littérature et dans la philosophie, par exemple, ce qu'on appelle народничество. Et le nom d'un mouvement socialiste agraire actif de 1860. À la fin du 19e siècle, fondé par les populistes russes, ils ont essayé d'adapter la doctrine socialiste aux conditions russes. C'était absolument en vain, absolument. Mais ils ont envisagé une société dans laquelle la souveraineté reposerait sur deux petites unités économiques autonomes, ressemblant les communes de village et liées dans une confédération remplaçant l'État. Ils ont vu dans cette affaire un chemin direct vers le socialisme. Le socialisme, c'est une très importante question du début du XXe siècle pour cette gens bizarres. En outre, encore à cette époque, il y avait un roman que faire de Tchernychevski, Nikolai Tchernychevski. Ce roman a exercé une influence considérable sur des générations de gens radicaux et révolutionnaires russes. L'héroïne principale, personnage principal, Vera Pavlovna Razalskaya. Elle organise une communauté de travail indépendante de la couturière. Elle se soucie sincèrement du bien commun. Et c'est bien sûr un symbole à une utopie sociale. Mais en ce qui concerne notre groupement de 14 pointes ambulantes, il a été créé à partir de ces échantillons. C'est sous la forme de l'artiel des artistes.
On était par Yvonne Kramskoy, que députée ce mouvement en 1863, un groupe de 14 étudiants quitte l'Académie de Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, trouvant ces règles trop contraignantes et ces professeurs très conservateurs, trop conservateurs. Ça peut être, oui. L'artel deviendra la société d'exposition, des expositions artistiques à Boulogne en 1470. Le 9 novembre en 1463, l'Académie des Beaux-Arts propose comme sujet de concours de la fin d'études un banquet au Valhalla, Valhalla, Valhalla. Oui. Valgalla. Un groupement de 14 étudiants, émané par Kramskoy, n'accepte pas ce thème et refuse de concourir pour médaille d'or et le voyage d'études en Europe qui est offert aux vainqueurs. Comme c'était par l'Académie, passer toutes les commandes officielles, les jeunes étudiants doivent constituer un artel pour subvenir à leurs besoins. Il est organisé sur le mode des phalanstères de Charles Fourier et le roman Que faire, qui avait mis ce genre d'association à la mode. Et elle était constituée de gens qui était leur milieu, partageaient ce qu'ils possédaient et abolissaient entre eux les différences sociales. Ivan Kramskoy était le véritable théoricien du groupe, à son avis. Les points de rousse ressemble à un commissionnaire. Les ambulances sont possédées d'une ordure missionnaire. La pointe est un prophète, son art est sacré. C'est une attitude peut-être profondément rousse, je ne sais pas. Probablement. De l'autre côté, l'artiste ne doit pas créer des œuvres vidées de contenu social. Autrement dire, il faut mettre dans l'art un sens idéologique et en plus ou moins, les ambulants pensent aussi que l'art doit être au service du peuple et 48 expositions ont été organisées et sur le territoire de toute la Russie tsariste. Les ambulances veillent à leur indépendance et ne reçoivent pas d'aide de l'État. C'est très important. Les groupes des ambulances ont été actifs durant 30 ans, mais les artistes se retrouve dans un, c'est-à-dire rétrécissement, ne pouvant mener qu'une impasse. En outre, il y avait beaucoup de nouveaux courants dans l'art.